Bienvenue sur channel pour moi plus un. Je dis à nous venir avec une autre vidéo pour nous parler de puissance, tension, intensité. Déjà, je dis merci avec tout le monde qui est abonné avec channel pour moi plus un et qui partage nous, qui aide nous grandir, qui aide nous avancer. Un peu de monde, après nous avons fait montrer qui gens sont capables de choisir. Yon inverter, combien watt inverter a besoin pour la caillou? Nous te montrons pour calculer quantité watt ou utiliser pour système inverter là. Eh bien, tout le monde a couru tapement de nous pour nous montrer qui quantité batterie que nous avons besoin pour nous capables de gagner courant, soit pour un 2 jours, un 3 jours. Eh bien, avec ça que m'a montré nous là, nous après que nous pas trop près pour nous joindre, pour nous montrer pour nous combien de batterie on a besoin. Ou après ça, nous allons venir avec une vidéo complète qui parle combien de batterie on a besoin et combien de panneaux solaires on a besoin. Mais espérez vous suivre avec nous. Là, si vous avez écrit, vous pensez que vous avez pris trop de temps pour la vidéo. Là, nous sommes capables de poser ça. Ça, c'est dans la physique. Nous sommes capables de P égale à U multiplié par I. Eh bien, symbole ion nous connaît qui c'est tension, ion qui c'est intensité, P1 qui c'est puissance. C'est puissance égale à tension multipliée par intensité. Là, depuis nous et puissance, nous après watt. Ça arrive, nous pas attendre voir mon petit Jean aller parce que tableau mon petit Jean loin, j'ai mon chita sous chez ça. OK. Puissance en watt. Tension en volt, intensité en ampère. OK. Qu'on y a là pour nous capable contrôler batterie, pas oublier batterie les noue batterie yo en ampère. Si nous est batterie yo na ampère. Batterie en ampère, ok? On met ici à ça. En pied, bon, on dit bayon. Batterie à l'élan ampère, ok? Exactement. Si nous, plus quantité consommation nous, li en watt. Si consommation nous en watt, et pendant ce temps, batterie nous en ampère, qui ça va nous faire? C'est pour nous convertir batterie pour nous mettre en watt. Parce que si nous avons utilisé la caille, si nous avons utilisé 5300 combien watts par heure, et pendant ce temps, batterie nous en ampère, eh bien, c'est pour nous convertir batterie. Eh bien, si nous avons un exemple qui est simple, si nous gagnons batterie trojan qui est utilisé plus, la prend deux qualités de batterie avec. Nous pas vinn faire batterie en série, batterie en parallèle. OK, si l'âme capable dit, moi gen deux batteries 6 vol, bon mettez un petit exercice là, gen deux batteries 6 vol. Eh bien deux batteries 6 vol ça, chaque batterie yo descend 25 ampère. OK, chaque batterie a 225 ampères. Quand y a la les mettre batterie en série, intensité a après te même tension a monté. Ça veut dire que nous avons gain 12 volts. Pardon. M'a dit 6 plus 6 qui vient également à 12 volts. Intensité a prêté même 225 ampères. Ça, c'est pour moi capable de faire ça avec nous. Moi, pourquoi non, maman, causer avec nous, l'aide pas le combien batterie, puis pour nous mettre batterie en série et batterie en parallèle. Mais pour un côté, pour nous vont l'autre côté. OK? Nous gagnons batterie là, nous gagnons 12 volts, 100 ampères. Ou bien, nous connaissons l'autre qualité batterie tout. Batterie soleil, nous connaissons. Il y a 12 volts et puis 100 ampères. Eh bien, pour capable calculer
batterie ça pour marcher ensemble avec watt ou à consommer à, eh bien c'est pour mettre batterie en watt. Pour mettre batterie en watt, qui ça va faire? Ou pour le poser, ou pour le dire P plus que qui ça m'a cherché, moi pour le chercher puissance là, m'a converti intensité à en puissance. M'a posé ça, m'a dit P également c'est intensité multiplié par volt. Plus que pour qu'à plus comprendre P à qui ça l'a également puissance là qui c'est watt ou bien m'a dit c'est watt égal à ampère multiplié par vol. Eh bien, si je pose qu'on y a là, c'est watt m'a cherché, qui puissance moins qu'on y a, puissance moins là, on prend ça, puissance moins, qui c'est puissance là, n'a dit c'est P égal, intensité à combien intensité à E? Intensité à c'est 225 ampère-heure multiplié par 12 volts batterie. OK? M'a dit P plus que c'est puissance m'a cherché, moi te mettre watt là pour nous te comprendre parce que puissance ni en watt. M'a dit P également, en nous fait calcul ça avec s'il vous plaît. M'a dit c'est oh, faut me chercher calculatrice en te mettre là. OK? OK, m'a dit moi c'est 225 multiplié par 12 li égal moins ensemble avec fait avec P égal moins à 2700 watt heure. Pendant ce temps c'est watt nous a cherché, c'est puissance là nous a cherché, c'est même ça moi poser pour capable jeune exercice nous là. Qu'on y a là, avec des batteries 12 volts, ça m'a gagné là. Des batteries 6 volts, ça qui vient 12 volts là, c'est les mêmes qui viennent moins 2700 watt-heure. Qu'on y a là, si nous avons calculé pour même ça toujours, batterie 12 volts 100 ampère-heure, nous avons posé même les mêmes pour batterie 12 volts 100 ampère-heure là. Nous avons dit ces mêmes bagages là. Nous avons dit ces puissance égale avec ampère c'est intensité, c'est intensité par vol, est-ce que mettez ampère avant, c'est intensité par vol. Je pense que c'est la même chose là, si me dit OK, c'est intensité par vol, excusez si pour me mettre le genre là, intensité m'a dit c'est 12 parce que nous faisons là, étant puissance, ap égal moins, c'est intensité A qui c'est V multiplié par A. OK? Puisque puissance là égale avec watt, une façon pour nous comprendre, nous capable de dire c'est V multiplié par A. OK? Excusez pour nous comprendre ça. M'a dit puissance là lié égal moins. Ensemble, si m'a fait ça, m'a dit vol lan qui c'est 12 multiplié par 12 volts multiplié par 100 ampère. Ça si vous d'ailleurs effacer tout ça refait li moi c'est même bagage lan li a bay et puis m'a dit en puissance égale moins m'a dit c'est 12 multiplié par 100 qui a égal moins 1000 puis 1200 watt-heure. OK, me séparer 1200 watt-heure. Si nous avons gardé tout ça toujours, si nous t'app changé, si nous t'app changé ça, n'a montrer nous pour nous mettre ça exact Jean qui est lié à
pressé. Ok? Si nous mettons le même genre, nous disons que c'est puissance égale c'est vol multiplié par intensité. Ou bien nous disons que c'est vol multiplié par ampère. Raison qui fait mettre ampère, c'est pour nous capables de plus à l'aise dans le système. Là, nous disons que c'est 12 multiplié par 225 ampères heure. Ok? Nous regardons ces 20 bagages dans les bails. Je dis c'est 12 multiplié par 225, toujours également 2700 watts et puis mettez heure. Pour nous respecter le principe, nous allons comme ça. Exactement, quand y a, nous avons l'autre bagage, nous pourrons parler. Quand y a, qui est important, ça va venir gagner. Si moi gagne moi vinn convertir ça qu'on y a l'aime vinn convertir ça li ka bon combien batterie que moi même moi capable besoin c'est là que moi t'ai besoin river ensemble avec nous si nous pas ka faire exercice ça les nous river puis devant nous pral presque à comprendre qu'on y a en nous aller pour pas nous et bien c'est à partir des calculs ça tout l'on fait calcul ça qui pral connaît que chargeur qui intégré dans inverter hein combien batterie il ka charger c'est même formule ça ka ba ou chargeur qui intégré dans régulateur a chargeur qui intégré dans inverter a combien batterie il ka charger c'est même formule ça ka ba ou tout qui régulateur ou a besoin pour charger ton batterie c'est même formule ça tout ka ba ou combien watt panneau a besoin pour charger ton batterie ça veut dire que si ou passe loin formule ça là nous arrivons dans l'autre étape là ou presque ouais un petit jean noir nous pour aller sur tableau qu'on a pour passer pour calculer watt avec ampérage panneau solaire. OK, exactement nous capable garder là nous gagnons panneau solaire qui dit nous les mêmes power maximum en puissance là qui c'est 300 watts. Nous gain volant qui c'est 36 volts, nous gain ampérage là qui c'est 8.33 volts. Eh bien, nous pral wè exact qui ça qui j'en fait pas noir 300 watts, qui j'en pas noir fait 8.33 ampères. Eh bien, nous pral wè tout ça pour capable calculer ampérage, pour capable calculer watts exactement pour capable connaître combien ampères que ou même ou gain, combien watts que ou gain là on fait collection panneau yo. Pour capable faire calcul de charge. OK, exactement, nous on peut commencer parce que téléphone a été chauffé et puis vidéo a campé. Nous retourner connia nous pour contrôler pour panneau solaire. C'est toujours même formule que nous-mêmes nous capable là. Nous puissance égale à tension multiplié par intensité, ça c'est formule là. Depuis P puissance en watts. Tension en volt, intensité en ampère. Les nous te gade nan deux panneaux solaires là ensemble avec nous sot gade là. Nous nous gon panneau de 300 watts et puis nous gagnon li gen 36 volts, li gen 8.33 ampère. Et bien ki jan ou ap calculer puissance panneau solaire là, ki jan panneau solaire là fait 300 watts. Eh bien, c'est même gens. Moi, a posé formule moi pour me capable ouais qui j'en panneau solaire égal avec ça. Eh bien, c'est même gens nous a fait. Nous a dit puissance égale à tension. Puissance égale à V multiplié par intensité. Pour nous capables de comprendre encore, nous avons dit c'est watt, puissance en watt, puissance égale c'est vol multiplié par intensité. Ou bien, nous sommes capables de dire encore, puissance égale à vol multiplié par ampère pour nous comprendre. Puisque si puissance égale à vol multiplié par ampère, qui puissance
c'est puissance nous avons cherché. Si puissance égale la vol multiplié par ampère, mais qui ça nous a fait? Nous avons dit P égale vol. Nous avons remplacé vol par place li, dans le panneau, nous avons dit c'est 36 vol multiplié par ampérage là nous gagnons là qui c'est 8.33 ampère. M'espère que nous après bien, nous avons dit c'est P égale moins. On nous fait ça rapide, rapide, rapide. C'est 36 multiplié par 8.33. Li égal moins à 299.288. Ok? Nap di se P égal moins à 299.88. Sensiblement égal moins à 300 watts. Ok? Est-ce que nous avons 300 watts par noir? Qui j'en fait qu'on est par noir 300 watts? Eh bien, pour qu'on est par noir 300 watts, c'est volant ou multiplié par ampérage qui fait moins par noir 300 watts. Quand y a si besoin qu'on est combien ampère par noir, si on a calculé l'intensité qu'on a, nous pas calculer l'intensité qu'on a. Songez, c'est toujours même formule ça, ou utiliser pour batterie. Lorsqu'on cherche batterie en watts, parce que batterie en ampère, lorsqu'on cherche puissance égale à vol multiplié par ampère. Jusqu'ici, moi souhaite tout le monde très bien, nous a passé dans la deuxième phase là. Mais avant tout, bon, l'autre bagaille qui est important pour me dire nous, et là, je suis capable de dire, bon, je fais un petit carré pour mettre à noter. Pour moun di i qui est de pour ya égal à courant. Ok? Depuis nous V a égal avec voltage. Depuis nous R, un côté, R a égal à résistance. Ok? I a égal moins à courant, intensité, c'est I égal à courant, V c'est voltage, R c'est résistance. Là, je crois tout le monde, ok? Si vous n'avez pas un bagage, vous pouvez passer la vidéo pour que vous compreniez, nous pouvons passer dans le petit tableau pour nous passer dans l'autre. Ok, nous venons dans la dernière partie. La dernière partie là qui dit, nous sommes capables de faire l'autre formule sur le tableau. Nous sommes capables de I qui c'est intensité égale moins puissance sous tension. C'est puissance divisé par tension. Sous besoin joindre intensité, sous besoin joindre combien ampérage yon panneau soleil. C'est pour faire puissance là divisé par tension. Eh bien, nous avons posé la formule là pour capable être clair, pour capable comprendre. C'est ça qui va aider au tout combien panneaux solaires que vous avez besoin, combien batterie vous avez besoin, c'est pour capable faire calcul ça. OK? Qu'on y a là, moi je vais dire là I égale moins P, ça c'est pas V non, ça sont U pour nous voir bien. C'est U. OK? M'a dit I égale moins watt divisé par vol. Nous pouvons nous comprendre. Pour nous mettre nous, ok. Bon, mettez le coup comme ça pour nous. C'est watt divisé par volt. Excusez-moi si je mettez le comme ça. Ok. Ou bien, si je suis capable de dire ça. On est capable de dire c'est ampère égal à watt divisé par vol pour nous capable de comprendre et puis nous mettre la formule là toujours. Eh bien, m'a dit intensité égal moins, plus que si je gagne watt là encore qui c'est 300
300 watts par nous gagnons, m'a divisé li par 36 volts. OK? On nous garde pour nous là. Si moi dit 300 divisé par 36 également 8.33. M'a dit I égale moins à 8,33 ampères. Ou bien capable de dire intensité a égale moins 8,33 ampères. Eh bien, ok, c'est là. Qui ça nous est là? Nous parlons là, panneau solaire là. Qui ça panneau solaire là? Et son panneau de 300 watts, 36 volts. 8.33 ampères, eh bien, pour joindre ampérage là, ou à diviser puissance là, par volant, ou à diviser watt là, par volant, c'est comme ça, pour nous aller avancer avec système là. Ok? Moi, je voulais, pour nous te comprendre partie ça très bien, pour nous comprendre partie ça bien, pour nous prendre avancer tant qu'au grand monde, on y a. Ok? Parce que nous avons imaginé combien de minutes de vidéo ça est. Eh bien, si je prends pour calculer la batterie, fait ça, je ne vais pas faire pour calculer la batterie pour faire deux vidéos. Ni je ne vais pas faire vidéo trop long. Ok? Songez que je dis toujours, depuis nous, puissance son côté à la droite. Mais ça, c'est formule ça. Ça, c'est bagarre ou supposé qu'on est par cœur sur un technicien. Ou supposé qu'on est par cœur. Ok? Pour qu'on ait li par cœur. OK, nous connaissons puissance en watts, tension de pouvoir tension ou volt, de pouvoir intensité ou déjà ampère. S'il vous plaît, lis simple, c'est pas un bagage qui compliqué. Même système ça, si on pas ton chargeur pour téléphone, c'est même système ça qu'a fort qu'on elle. Et bien même système ça tout, l'ogon inverter qui 1500 watts, 1500 watts, eh bien, sous besoin qu'on ait ampérage là, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Si j'ai inverter à 1500 watts, m'a dit c'est 1500 watts inverter à 1500 qui a divisé si inverter à 12 volts. M'a dit c'est 1500 divisé par 12. 1500 divisé par 12 qui a également 1500 divisé par 12 qui a également 125 ampères. 125 ampères. So, c'est ça pour garder la inverter. Ok? Eh bien, c'est comme ça que nous-mêmes ou capable choisir ou capable garder contrôler l'ampérage. Quand nous a prêté brancher pour nouveau vidéo qui va venir ça nous tout attendre combien batterie a besoin pour système ou pour faire ça, fait ça. Merci tout le monde qui te suivre nous a tourner pour l'autre vidéo, pas hésiter, partager, aidez-nous faire travail là.